OMG, salut YouTube, on se retrouve. Petite game contre Vlad Top. Vlad Top, donc je vais jouer Aerie. Maintenant, la question c'est est-ce que je joue TP ou est-ce que je joue Ignite? Franchement, j'ai bien envie de jouer Ignite s'il est pas habitué au match-up. Donc là, c'est vraiment le setup hyper agressif. Ça va être très agressif contre Vlad. Parce que c'est le genre de match-up où j'ai vraiment envie de snowball dès l'early. Et c'est pas genre agressif avec un PTA où je peux faire des all-in parce que c'est Vlad, c'est vraiment plutôt trade à choix des auto-attaques. Donc voilà, on va se la donner. Donc Kennen contre Vlad, mon champion sinon il est fort contre le reste de leur compo. Enfin, il est pas fort contre leur botlane, mais contre Lee Sin, Akali, je les maîtrise bien. Vlad, c'est favorisé pour moi à l'early. Mais si je suis pas devant, c'est un peu chiant. Bon, je suis encore un peu malade, je suis désolé. On se rapproche à grands pas les amis du retour des streams. C'est Kyo, en face il y a Certus, Bin, Kino et Kyo. Et moi j'ai Eka, moi Smiley et Quickex. Quickert, Quitter. Ok, bon, let's go. C'est parti. J'ai la chef. Gantlish. Bah oui. Il est con ou quoi, mon support? La botlane ne peut pas leash contre Karma parce que s'il leash, il laisse le bush à Karma et du coup, bah, c'est unplayable. Alors là, je suis contre un Vlad électrocute. Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà joué le champion ou pas? D'accord. Okay. Je suis un peu con. Je suis un peu con parce que je gagne pas ça, c'est logique. Mais juste, vu qu'il a l'air d'être tellement bad sur Vlad, je l'ai un peu sous-estimé. Bon, je vais très agressif sur la lane. Mais pas trop non plus. Enfin, dans l'idée, faut le punir, mais. Pas faire n'importe quoi. Nice. Ok, on bosse un peu. Oh, il a pu. Son Q passe pas, le trade des giga bon. Par exemple, son Q est passé. Genre, à la limite, je jouais Electro qui est contre lui. Il me laisse tellement de fenêtres. Ma botlane se fait arracher. Qui rate le gros. Ok. Ça finira forcément mal, ça. Ok, un early qui commence bien mal. Solide. Mais à part laisser slow push et reset, normal. Y'a qui? Ouais, y'a Lissine. Oh non. J'ai trop le seum. S'il le kill, c'est fine. Ce serait chanceux de ma part. Putain, il me l'a ping en plus. Et vu comment il s'est déplacé, c'était tellement obvious. Oh, je me fais trop avoir par les ganks en ce moment. C'est trop grave. Bon, ce qui est unlucky aussi, c'est que je suis pas passé niveau 6. Hein. Je passe niveau 6, je peux pas me tuer. Non, j'ai vraiment le seum. En fait, c'était mon problème. C'est que contre Vlad, je fais des trop gros trades. Faudrait que j'en fasse vraiment des petits. Genre là, en early, j'ai perdu trop le lead. Parce qu'en fait, en early, le. On n'a pas tant de différence de dégâts. Mais il a la suite mais pas moi. Faut vraiment que je. Les premières levels je chill un peu plus. Si je veux gagner le match-up. Nice. Il a pas de pool du coup je peux. Tac. Oh, y'a Akali qui va top. C'est dommage, j'aurais pu le kill. Mais avec le SS d'Akali, je me permets pas. Hein. Ah. Ok. Comment il joue Varus là-dedans? On a peut-être du swap. J'aurais de look bot là. Est-ce que ça va être Ward là? Non,
Ça m'a l'air d'être hard sur ton top. Ouais. Le moment où t'hésites. Ah, ça c'est du flip de solo que je viens de faire là. C'est, tu vois une action, tu sais qu'il y a un slow-push donc je vais pas trop perdre si je pars. Vas-y, on voit ce que ça donne. Malheureusement, ça a rien donné. J'ai perdu quoi? Je dirais 4 sbires mêlés. Ouais, ça, j'ai perdu 4 sbires mêlés là-dessus. Mais je trouve que c'est un flip qui vaut le coup parce que parfois ça te fait gagner des games quoi. C'est un flip, mais on va dire un truc où c'est genre 100% de chance que ça passe, et si ça passe, c'est genre énorme pour la game quoi. Et si ça passe pas, bah je perds 4 grips mêlés et c'est ok. Il a back TP, il a beaucoup d'MS, je fasse gaffe à ça. Il me fait une erreur de positionnement, il peut vraiment me run down. Tu vois, j'ai pas le droit de faire des erreurs de positionnement comme celui-là. C'est qu'il a sa poule, c'est trop chiant. Bah ok. Ah, ça me saoule un peu. Je peux vraiment pas jouer ma lane. Là j'aurais pu le kill encore une fois. Il manquait un Q. Je pense que je le tuais. Malheureusement, bah je me prends encore un gank du Lee Sin quoi. Je prends beaucoup. Et malheureusement, bah le Vlad grossit, grossit, grossit. Et bah si on le punit pas, il va un 29 en late quoi. Non, il est vraiment pas simple. Avec la Bolen qui se fait casser la gueule. Moi qui perds. Il a one tap. Ok. Tiens, il s'en sort. Oh, c'est tellement pas worse. Je peux tellement pas le faire perdre ses moins d'HP. Je me bats un peu pour rien là. Ah, c'est chiant. Sentiment de te faire péter la gueule par un mec moins fort que toi, c'est chiant. Mais là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il va juste me dive soon. Pour la tour devant moi, je crois que je peux plus jouer ma lane. Je crois qu'il l'avait fait en vrai. Parce que malheureusement, cette game là va me filer un petit peu un cancer. Ok, on va décaler. Je vais garder la bouche ouverte tout le temps, sinon j'arrive pas à respirer. Ça va bien. Nice, on en tue 3. Ok, trust. Trusting! On y croit! Paulson de la phase de lane, mais on y croit. Ok, j'ai raté mon Q, mais si je touchais mon Q, on aurait pu le kill. Elle est morte là. Elle fait mal ma vie, what? Pourquoi les dégâts qu'elle colle? Ok. Quand ça paraît Varus AP, machin, bro, j'en joue, j'en clique. Je peux y aller. Oh, ça me plaît ça. Au moins je la bute. Ok. Nice. On s'en branle de pas l'inhibant. Rien à foutre. Rien à foutre. On a eu le Drake. Dessus. Rien à foutre de pas l'inhibant. OMG, game de fou, let's go! Ouais, canne pas frérot. Ça va partir sur quoi là? J'suis pas solo AP. Ouais, je suis gros zonien, j'ai pas beaucoup de thunes. Il y a des trucs à zonia. C'est dommage qu'on donne cette tour par contre, je pense que celle-là était économisable. Je sais pas trop à quel point on a besoin de laisser les ressources à Varus. On va les bots. Elle a un zonia. Ouais, il manque encore 400 gold, on va dire, parce qu'après je vois mon épée malade et je. Je suis pas tant éloigné de Akali que ça en farm. C'est vrai que je suis passif. Oh! Tue hein! Ok, big! Ah là là, je l'ai vu! Je l'ai vu! Big qui nous donne la game là-dessus. Ah! Je le stun hein! Il hit! Je suis mort. Je voulais laisser un stun avant de canner. Non, ça chase, c'est dommage. Oh. Ok. Ok, ça. Oh non. Je sais pas s'ils peuvent. Je vais courir sur la
Je pense qu'on perd une tour. Sur Daldash, c'est worse, mais. Si on tape pas le dash, c'est FF, hein. On va avoir le dash du coup. Ok, nice. T'as une deux sbires, wesh. Bon, là en gros, Bina int, j'ai vu un potentiel d'engage, engage, voilà. Un peu, hein. Bon, nice. La vie est tellement big. On n'a pas eu le tour de Nexus, mais c'est pas grave. Enfin, juste si on perd pas les fights, c'est fine. Ouais, je suis d'accord avec l'idée de prendre la tour. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Notre rôle, je ne l'ai pas vu, les gars. Ma protobelt est buggée, ça me casse trop les couilles. C'est trop chiant. Ah, c'est pas protobelt qui est buggée, c'est ma touche. C'était déjà le cas la game d'avant, ça me rendait fou. Et là, c'est encore le cas. C'est dommage. Ça m'a un peu baisé. Je prends la tour top, moi. Du moment qu'on perd pas un fight, c'est pas grave qu'on ait perdu cette tour. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Moi, je prends cette tour. Je reste mon Void. Pourquoi elle dépense tous ses spells sur moi, genre? Quoi? Je suis choqué. Bah vraiment, je pensais que j'étais vraiment safe. What? My bad. Ouais, c'est fait avoir. Non, en vrai, franchement, j'avais mon R, j'avais mon Zhonya. Non, j'ai pas mon Zhonya. J'avais mon R, je me sentais vraiment bien, tu vois. J'étais en mode, bon bah voilà. Je me pose là et je prends la tour. Et là, j'étais en mode. En fait, je pensais qu'elle essayait de me bait pour quelqu'un, en fait. Je la vois gaspiller sa flag, gaspiller sa proto et tout. Ok, bah my bad. Grosse erreur de ma part parce que là-dessus, on perd quand même. Bah, on prend pas la tour, je meurs alors j'aurais pu la kill et on perd une tour bot parce qu'on perd de la tempo. Je suis choqué, en vrai. Après, j'ai foncé dans tous ses spells, hein, franchement. Enfin, genre, c'est ma faute, hein. Mais ça m'a surpris quand même. Ok, peut-être. Ok, j'allais flash in, mais ma team est pas prête. On perd quoi là-dessus? Parce qu'on perd quand même beaucoup de gold. Ok, c'est chiant. Pas de void côté. Je trouve vraiment bad le stuff de. De Kyo. De Vlad. Sans l'HP. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai vu un angle où je pouvais air tout le monde et je pensais bah au moins ramasser un ou deux ou setup pour ma team avoir un peu de follow back, mais lui il s'est mis devant. Ils ont tous eu un HP, je. Oh non. La Khaleesi a tous tué. Bah, sur mon move, on perd la game. C'est my bad. Je pourrais pas défendre seul, hein. Ok, tu as un. On va essayer de me rattraper du coup. On veut pas de Nash là? On a perdu l'inhib camp. On le rush, hein, je suis chaud de le flip. Hein. On gagnera pas la game en jouant safe. Ok, nice, ils sont là. Ils s'y attendaient pas. En même temps, c'était vraiment ballsy de le faire après le Drake. Ok, là je vais go sur Abaddon. Juste la Négatron, je me cite dessus parce qu'ils ont beaucoup de dégâts magiques. Et si j'ai pas de Négatron, l'autre peut vraiment one tap. Je vais join la team. Nice. J'ai vu que Ezreal n'avait pas de dash, je pouvais dash dedans. Il va me kill, faut que je me casse.
Dommage. C'est pas bien grave. Là j'ai deux choix. Soit je finis mon Mejai, soit je me dis que je peux avoir le Rabadon. Tous les cas j'ai rien acheté. Parce que ça vaut plus qu'une baguette trop grosse, c'est ça que c'est chiant de le vendre. Oh, je pourrais vendre mon Négatron pour une Rabadon quand je l'aurai. Mais ça veut dire que je vais me faire vraiment one shot quoi. On va voir comment ça se déroule. On a le Back Nash. Ça, ouais, ça t'en peut la mort de. Enfin la. L'inhib quoi. Enfin, genre le fait qu'on ait pas de tour de Nexus. Big. Ok, nice. Mon champion, j'ai juste servir à empêcher. Nice. Nice, putain, let's go. Mais putain, mais la game. J'aurais dû aller DNA en fait. Je suis un dog. Ok. J'aurais dû aller les définir. J'espère qu'ils finissent. S'ils finissent pas et que c'est ma faute, je vais vouloir me foutre en l'air. Je m'en veux. Pourquoi je suis pas avec eux? Pourquoi je l'ai pas vu qu'on pourrait finir la game? GG. Let's go! Oh putain, j'y croyais pas. En vrai, j'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas. J'ai failli flash FF et tout. Oh, let's go! Putain, j'y croyais pas. En vrai, je m'en veux de m'être comporté comme une merde cette game. Ah, j'ai rien à marquer dans le chat, hein, j'ai flamé personne, mais mentalement, j'ai trop. Bah, j'ai fait de la merde quoi. Genre, j'ai voulu FF, j'étais un peu pessimiste. Oh, elle devient folle la Kali. Damn. Ah, je suis first en dégâts. En vrai, en tout cas, j'ai review vite fait la game. Allez, charge-moi donc. Ah, je suis content de la game. Ça m'est bien. Ça m'est vraiment bien. Mais ah, je m'en veux d'avoir eu un comportement de merde à certains moments. Alors j'ai failli vouloir chercher FF, je me suis un peu plaint et tout. Alors qu'en vrai ma lane c'est un peu my bad quoi. Parce que si on récapitule, mes early trades étaient mauvais. Parce que j'ai perdu trop d'HP à vouloir trade et je me suis laissé dominer parce que j'ai pas pris la pression de la wave. En fait, les trades dans LoL c'est quand le mec last hit, tu le trades. Et quand toi tu last hit, bah t'essaies de pas te faire trade. Et vu que j'ai trop voulu jouer agressif, je me suis battu à des moments où je devais pas. Bah du coup il avait plus de creep de son côté que du mien. Où je me trouvais à devoir farm, et lui pendant que moi je devais farm, bah lui pouvait me taper. Et je me suis retrouvé à perdre beaucoup de trades, et être bah, behind dans le match-up où je suis censé moi gagner, parce que j'ai pris soit des trades trop longs, soit bah juste j'ai pas puni. Là je pense que c'est une punition, il a stitch, je le punis. Mais j'ai pris beaucoup de trades où c'était pas ça, et c'est débile. Parce que normalement quand tu prends les trades un peu débiles, c'est quand soit t'es sûr d'être bien meilleur que l'adversaire, soit parce que c'est vraiment un free-free match-up, et c'est pas le cas là. Donc au final. J'ai fait vraiment des mauvais trades en early. Et ma mort. Regardez, vous savez pourquoi j'ai commencé à reculer? Parce qu'en fait, Kyo s'est déplacé de manière trop abuse sur moi. Et je savais qu'il y avait Lee Sin là-dessus. Et bah j'ai pas été assez réactif. Je savais qu'il y avait Lee Sin. Et pourtant, j'ai fait des déplacements mauvais. Genre là, vous allez voir. Ça va se voir d'un coup. Parce que moi je suis au courant de rien. Et là, on me ping quelque chose. Donc là je fais ah, Vi me ping. Moi j'ai rien vu, mais je sais pas comment elle l'a vu d'ailleurs. Ou juste elle s'est doutée que c'est un timing gank. Moi j'ai rien vu. Vi me ping, donc je me doute. Et là je regarde le comportement de Kyo. Il joue hyper agressif alors qu'il le faisait pas avant. Là il s'avance et tout. Donc je me doute qu'il y a Lee Sin. Je pars. Il est là. Et là, bah j'ai pas été assez actif sur le fait que je l'ai vu. Du coup j'ai pas sidestep. Et ce qui est vraiment lucky, c'est qu'en plus bah, je suis à 100% d'XP. J'ai niveau 6, bah il peut pas me tuer. Et là, bah, il ward dash, machin, il me tue. Donc là, c'est my bad. Un peu unlucky, mais c'est vraiment my bad. Parce que du coup, en fait, là, je fais un 1 pour 1 et ma vie chope un shutdown. Donc au final, c'est worse pour nous. Mais ma wave est affreuse et là, je prends beaucoup de retard dans le match-up. On avance, on avance, on avance. Là, je tente mon flip. Franchement, ce serait à refaire. Je le referais, ce move. Parce qu'en fait, je vois une action. Moi, j'ai ça en fait. Ça, il peut pas le freeze indéfiniment. Et puis surtout, lui, il va se dire, ok, Ken va bientôt arriver, moi j'aurais besoin de recall. J'ai commencé à build mon slow push, quoi. Donc en fait, je sais que j'ai une large tempo. Et je vois quoi? Au début, je vois les top. Et après, je vois ça. Je change mon itinéraire. Dans tous les cas, il freeze, je m'en branle.
Je tente un truc au cas où s'il se passe quelque chose. Je me dis, mais imagine là, il y a un fight. C'est un 3v3 hyper close, je suis là et je suis là. Et qu'à la place de faire un 0 pour 3, on fait pas un 3 pour 0, bah on a gagné la game. Au final, je me suis déplacé pour rien. Sauf que quand je reviens sur la top lane, bah j'ai perdu que 4 creeps mêlés. Donc au final, c'est pas grand chose. Là, bah juste, bah je suis en retard de mon match-up. De la cause de mon early où j'ai pas très bien joué. Et du gank de Lee Sin. Mais c'est tout moi qui ai mal joué. Hein. Bah du coup, je souffre. Et je me prends un dive et je meurs. Là, c'est dommage, j'ai failli le kill. Mais cette mort-là, je peux rien faire, mais c'est la première mort où j'ai vraiment trollé parce que toute ma phase de lane globalement était assez mauvaise. La game continue, là je suis un peu d'humeur mauvaise. Que je sais que bah top, il n'y a plus rien à faire, il prend ma tour devant mes yeux, je peux pas le trade. Donc là c'est le côté vraiment pas marrant de la game. Et là, du coup, bah je décide de juste bah, faire le classique, je pose, je décale. Je vois une opportunité mid. Enfin, là sur la karma, on la kill, on arrive à tous faire un move positif, on les tue tous. C'est big. Quelques erreurs, là on va juste avancer. Là il se passe un move où en gros, moi je pourrais reset et aller aider Aphelios. C'est vrai. Mais je me dis quoi? Je me dis ok, Varus va reset, enfin nous on va prendre le Drake. Ça déjà on les empêche, on les ralentit derrière la soul. Et là, je vois une grosse wave bot plus Akali. Et je me dis, là, ils vont faire quoi? Ils vont prendre une tour. Ils vont peut-être forcer pour la deuxième, mais ça me paraît un peu grillé de leur part. Et au pire des cas, ils prennent l'inhib, mais l'inhib, c'est worse pour nous. En fait, eux, ils auraient juste dû prendre la tour et partir. Parce que là, ils prennent l'inhib. Mais l'inhib, ils prennent l'inhib, mais en fait, ils perdent les fights. On est encore devant en gold, mais bah, les fights sont pas free. Ça veut dire qu'ils n'ont pas spécialement le Nyash Ore. C'est-à-dire pendant 5 minutes, on a potentiellement des free gold top. Qui viennent parce qu'on a les sbires canons. Donc là-dessus, au final, bah, on leur laisse l'inhib et c'est pas grave parce que vous voyez, il se passe absolument rien. Nous, juste, on joue slow. Et là, c'est le moment qui nous fait vraiment comeback la game. C'est Bin qui troll. Ah, ils ont quoi comme vision? Ils ont pas de vision dans la jungle. Ils touchent son Q-spell sur le raid. Ils pensent qu'il y a personne. Ils dash in. Et c'est pas ils se laissent mourir, c'est Izonia. Du coup, sa team revient. Moi, je me dis, mais attends, mais si tempo, c'est qu'il y a du monde derrière. Je flash in. Et j'arrive à en choper deux. Là-dessus, on peut faire le Nash. Au final, la team veut pas parce qu'on arrive. Il y a Lee Sin et ils préfèrent sécuriser Lee Sin, ce que je peux comprendre. Là, il va y avoir le Nash, ça dure un peu longtemps. On reste le Drake. Le Drake, on n'a pas la pause. Donc, on va push mid. Sauf qu'on croise deux Vlad sur le passage. On fait un fight. Ma protobelle bug, du coup, je meurs. Je meurs pas, mais bon, bref. En fait, vu qu'on peut pas jouer la Drake, vu qu'on n'a pas la pause, on va aller prendre la tour mid et sur le passage, on croise Vlad parce qu'on sait pas ce qu'il fout là. Et là, c'est quoi? C'est je meurs. Top, grosse erreur de ma part. Je meurs de. Bah, je me fais surprendre par Akali. Je joue juste mal. Si je dodge sur eux, bah, elle peut pas me tuer. Ou si je flash in, je la tue. Enfin, juste disrespect. La vie fait de la merde, là on se retrouve un peu dans la merde. Se retrouve un peu dans la merde, mais ça va. Et là va y avoir le moment catastrophique. Où en fait, je me dis, mais attends, on est 4, j'ai mon flash, je suis niveau 15. Ok, je suis pas niveau 16. Mais j'ai quand même un petit peu de dégâts. Et surtout, je vois ce timing là où Lee Sin n'a pas de kick, je le sais. Il n'y a pas d'exhaust, enfin. Je sais que je peux faire quelque chose. Et je me dis que ma team peut follow back. Mais en fait, ils avaient rien. C'est my bad. Là-dessus, ils ont tous eu un HP. Hein. Mais c'est only my bad. C'est moi qui connais pas assez les dégâts de mon champion. Et moi qui ai pas regardé que ma team pouvait pas follow. Donc voilà, je vais arriver. Je fais un flash in qui est très beau. Hein, mais c'est nul. Parce que du coup, bah, Lee Sin lui se met devant normal. Pour pas que ma team puisse join. Il survive à un HP parce que Karma, mais. Ah, franchement, ok, dans le meilleur des cas, je pouvais tuer Ezreal et c'est tout, quoi. Et je perdais mon flash pour ça. C'était hyper risqué pour rien. Je meurs. Et c'est my bad. J'ai pas vérifié que ma team pouvait follow. J'étais pas niveau 16. Niveau 16? Ok, parce que là, je sais que je l'ai tué avec niveau 16. Niveau 16, je tue 100% le Ezreal. Et je peux même emporter peut-être Karma avec moi. Mais là-dessus, niveau 15, c'est. Je suis bête.
Et là, il se passe quoi? Ma team fait un fight de merde. Ma team fait un fight de merde. Et là, je me dis, bah, on a perdu la game, quoi. C'est fini. Heureusement, je me rattrape. Donc, je tape sous tour, je tue les creeps. Je force la Akali à vouloir me tuer. Je la stun, du coup, elle peut pas Zhonya. Je se fais surprendre. Je régène vite fait. Je régène pas trop parce que le but c'est de défendre. Et j'attends d'avoir un angle pour pouvoir R. Là, j'ai touché un Q-spell sur Ezreal, sur le Vlad. Là, hop, j'ai touché deux stacks. Je sais qu'il peut pas s'en sortir s'il le touche. Je tue. Il peut pas terminer parce que c'est Vlad. On avance, on chope des catchs, on chope des catchs. On chope le Nash. Non, là-dessus, oui, on chope ce fight-là. Le fight n'est pas ouf initialement, mais là, je vois quoi? Je vois un Ezreal sans dash. Je sais pas pourquoi je savais qu'il avait dash. J'ai dû le voir. On le tue lui aussi. Là-dessus, on est très bien. Oui, parce que sur le Ace, on a fait Drake plus Nash, pardon. Et on terminera la game sur ce move-là au top. Où, bah, en gros, Akali dashing. Mon perso contre Akali, c'est pas mal. Parce que j'ai juste à R. Je sais où elle est, je lui fonce dessus, je la finis. Et là, bah, c'est un 5v4. Sauf que, bah, alors, leur principale source de dégâts, c'était Akali. Elle est morte. Fin de game. Là, j'ai int, par contre, elle est mid. J'aurais vraiment dû les aider pour push. J'ai pas tilté qu'on pouvait finir en fait. Je voulais prendre deux inhibs. Bref, YouTube, j'espère que vous avez kiffé cette game. C'était très sympa. Et on se retrouve bientôt pour une petite prochaine. Et restez comme vous êtes. Petit like, petit commentaire. Le retour des streams bientôt, je l'espère. Ça fait des rimes. Allez. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yes, yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man.